Il y a bientôt 10 ans, un projet de décharge était lancé par la société Cita près de la petite commune de Mérobert dans l'Essonne. Aussitôt, des élus décident de monter une association pour lutter contre ce projet qu'ils jugent néfaste. Un combat qui, 10 ans après, est toujours d'actualité. Marie-Joseph Mazure et Claude Jaillet, présidente et vice-présidente de l'association, nous expliquent à quoi ressemblerait cette décharge et en quoi elle serait néfaste. Depuis bientôt 10 ans, de nombreux élus et associations ont soutenu les actions menées par leur association. Pourtant, malgré toutes ces preuves réunies, le projet est toujours d'actualité.